Ravi de vous retrouver aujourd'hui, nouvel épisode sur ce Let's Play Europa Universalis 4 avec l'Empire Plantagenet pour l'instant. Je pense que je vais pas tarder à créer l'Empire tout court, on va dire. Ouf, alors ça c'est quand on lance le jeu juste après une guerre en fait. L'ordinateur nous pond toutes ces petites révoltes. Ça doit faire... oui, ça en fait beaucoup, mais je pense qu'ils vont revenir à pied. On va peut-être les aider, honnêtement. On va les aider, on va pas être chien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec cette armée-là. Et on va faire... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des forts partout. Pas tout à fait partout, mais à pas mal d'endroits, quand même. Alors, et on va faire quelques... Voilà, comme ça. Et puis, lui, par exemple, il peut aller là. On va faire un strike, là. Ok. Ils sont très loin, ils sont tous ici, grosso modo. Alors, il y en a plein qui ont disparu parce qu'ils sont... Pourquoi on les voit pas? Peut-être qu'ils sont chez les Ouzbeks, alors on les voit pas. Évidemment, ils vont me demander tous les mariages parce que... Tous mes vassaux veulent être mariés avec... dans ma famille, ce qui est très gentil, mais... Un peu pénible. Voilà, ça continue. Allons-y, voilà, donc là je vais faire quelques strikes. Et ça devrait bien se passer. Ok, ça on s'en fiche, ça oui. Ah, heureusement que je suis là, hein, finalement. Parce que eux, ils sont tellement loin. Bon, ce que je vais faire là, c'est qu'on va se débarrasser de l'Espagne. J'ai envie d'y aller tout de suite là. Alors, ce qu'il faut quand même, ouais, j'ai quand même pas mal de trucs à faire avant. Mais là, j'étais en train de faire tous ces mariages et tout. Cette armée-là, elle est pas mal. On va la garder. Alors, normalement, ils sont tous venus. Allez, j'ai utilisé plusieurs bateaux, peut-être. Alors, ça va pas du tout. Ça, je vais continuer à les mettre sur le Zanzibar pour l'instant. Peut-être qu'on a pris le contrôle du Zanzibar. Pourquoi je ne l'ai pas dans la liste Zanzibar? Ah oui, on a pris le contrôle de Zanzibar. Ça, c'est cool. Ça, je peux accepter. Je m'en fiche. Donc là, on en a deux en trop. On va les supprimer parce que je trouve que ça fait pas joli. Ok. Donc là, on va les mettre là. Donc cette révolte qui sont les anciens de... Je sais plus quel était le pays, mais... Paganyung, ok, qu'on a décimé là. Ça a pas fait un pli. Donc là, ce qu'on va faire, on va fusionner et puis après, on va se diviser correctement. 50 000, je prends. 50 000, je prends. Et donc là, normalement, on devrait avoir rapidement 50 000. Ok, on va partir avec une flotte. On va aller ici, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Normalement, je dois avoir une flotte à disposition. Ouais. On va faire quelques ajustements comme ça et on déclarera rapidement la guerre. Donc ceux-là, ils doivent réparer. C'est pour ça qu'ils décollent pas. Ok. Donc ça, je peux le remettre. Je vais en remettre un ici. Et je vais en remettre un autre. Par exemple, celui-là. Non, celui-là, il va là. Ok, celui-là, on va le remettre aux Philippines. Ça, c'est fait. Ok. D'accord, d'accord. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Donc ça, c'est en... chez les Ottomans. De nouveau, c'est la révolte. Ils en avaient déjà une. Ah, c'est la fin de la révolte. C'est la fin de la révolution. J'aime pas trop, là. Il y a 50 000... Il y a 52 000 Espagnols juste devant chez moi, là. Ceci dit, quand on va déclarer la guerre, ils devraient se retrouver en exil. En toute logique. Alors, il y a quand même encore quelques révoltes qui n'ont pas été gérées. Ils sont vraiment très très loin pour ne pas être revenus. Ah, ils reviennent là, doucement mais sûrement. Ah, c'est parti. Donc là, on va encore avoir le malus. C'est pour ça que j'aime pas ça. Hein. On va avoir le malus pour... parce qu'il y a un révolutionnaire à côté de nous. La seule solution pour ce malus, en fait, c'est de leur faire la guerre.
Mais là, c'était pas trop au programme, j'avoue. Donc pour l'instant, non. Là, je vais pas attendre trop longtemps. Ah, ils veulent des connaissances. On va leur donner. Ils ont toujours pas les lumières. C'est pas terrible, j'avoue. Sans doute qu'ils ont pas d'université, c'est pour ça. Ok, donc tout est géré. Eux, ils sont revenus là, c'est bien. Ok. Donc on va aller sur l'Espagne. On va aller les chasser définitivement d'Europe, là, au moins d'ici. Je suis pas sûr qu'ils aient grand-chose d'autre. Ils ont pas d'île. Ça, ça doit être Utrecht. Ouais, ouais, donc ils ont vraiment plus grand-chose en Europe. Donc là, on va s'occuper d'eux. Je sais pas qui va venir. Le Portugal encore, ok. On pourrait les chasser de Corse. À part ça, en Europe, il n'y a plus beaucoup de Portugal non plus. Et Utrecht, on va, comme d'habitude, en profiter pour leur prendre quelque chose. Alors, ouais, ça va poser problème. C'est qu'ils sont vraiment très très loin. Mais c'est pas grave, on va gérer. C'est parti. Bon, c'est un peu la dernière guerre, je pense. Là, ça rame. Et donc là, ils se retrouvent pas en exil, ce qui est quand même assez surprenant. Ils sont en plein milieu de mon territoire, mais à part ça, tout va bien. Donc là, le but, ce serait de prendre ce navire-là, de lui mettre un 4 en leader, de prendre le navire et d'aller chercher les Maldives ici. Ah putain, il y a 55 000 hommes sur place. D'accord, donc on va changer de plan. Il faut qu'on vienne avec deux armées, c'est pas un souci. Donc là, on va d'abord s'occuper du trek ici. Eux, on va s'occuper du trek un peu plus loin, ici. Ok, cette armée-là, on va la prendre donc pour aller aider... on va aller aider sur les Maldives. Non, les Maldives, c'est pas les Maldives, ça, c'est... J'ai dit que c'était quoi? Malvinas, ça n'a rien à voir. Les Maldives, c'est pas du tout là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques conquêtes, mais mes colonies, maintenant, s'en sortent très bien sans moi, en général. Peut-être qu'on pourrait en finir avec ces enclaves, là, j'avoue. Et peut-être continuer à avancer sur le Pérou, mais je crois que pour le... On n'y arrivera pas avant la fin du let's play. Pour le Portugal, on va laisser faire mes vassaux, ou pas, on peut les aider un peu. On va prendre quelques généraux. Niveau 3, j'ai eu de la chance lors des deux derniers tirages, j'avoue. C'est plutôt pas mal. Question flotte, celle-là doit repartir en Europe, j'ai plus du tout de flotte en Europe. Donc là, le but, c'était d'aller s'occuper de ça. Ok, c'est parti. Bon, voilà, de quoi nous occuper. Il y a pas mal de choses de lancer. J'ai pas mal de points là, on pourrait dépenser. La science, on la prendra au dernier moment, bien sûr, comme d'habitude, mais... Alors, si on veut accepter une culture en plus, normalement, on devrait pouvoir... Ah, pas vraiment, en fait. Ce serait les Napolitains. Si jamais on devait les accepter, hein, est-ce qu'on aura le temps? On verra. Mais ils sont déjà pas si mal que ça, honnêtement. Ouais, l'Italie est vraiment pas si mal que ça, question de développement. Mais ça, je le... Ça, non, ça coûte 89, faut que j'arrête, là. J'avais pas vu que c'était aussi cher, en fait. Ok. Non. Ok, c'est bon. 350, on va arrêter là. Ouais, il faudrait que... Je sais pas si je gagnerai une culture en plus. Sur la dernière science, peut-être. Donc ça, c'est fait. Il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, on n'attendra pas 7 ans, évidemment. On attendra peut-être encore 3-4 ans, histoire de... Merde, c'est quoi ça déjà? Ah, ça m'étonne qu'à moitié. J'étais pas très confiant, j'avoue, mais ça se confirme. Donc là, le but, c'est d'aller chercher Utrecht ici. Ça devrait être simple.
Ok, donc ça on s'en fiche un peu. Ah, on va aller les. On va aller les aider parce que je crois pas que. Que ça on peut descendre. Ça on peut aller là. Je suis pas sûr d'avoir assez de troupes. Bon là c'est déjà fait, j'avoue que ça a été très rapide. Là on va prendre ce territoire là, évidemment ça va être une simple formalité. Ok. Non, il n'est pas tombé. Là. Yes. Ensuite, ici, on n'est toujours pas arrivé. Je crois qu'en route, là, il y a des. Ah non, c'est le Tonga, ils sont indépendants. Ouais, ça on s'en fiche. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, cette fois on les a pas loupés. Et on va les achever. Il y avait 52 000 hommes à la base, donc c'est pas mal de les achever, j'avoue. Ça doit être une grosse partie de leur armée. J'espère que j'ai encore un leader. Putain, j'ai plus de leader. On va être obligé de s'arrêter là. J'ai l'impression que j'ai plus de leader. Ah si, si, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi je le voyais pas. Ah, j'ai cliqué sur la flotte plutôt que le navire. Ok, c'est parti, à 1 contre 2, je pense qu'on va y arriver. Oh putain, il va souffrir lui. Il a fait le tour du monde, mais... il a bien souffert quand même. Ok, donc ça c'est fini. Ça, je sais pas pourquoi il lui en manque un. On va patienter, parce que je suis sûr qu'en fait il est quelque part. Ça va faire comme l'épisode précédent, on va se retrouver avec... trop d'armées. Ok, voilà, c'est là, on se retrouve avec trop d'armées, c'est chiant. Du coup, on va détruire celle-là. C'est bon. Donc ceux-là, on va attendre un peu. Ça, ok. Il faut absolument que je prenne la capitale espagnole, évidemment. Hein. Sans ça, il n'y aura pas vraiment de discussion de paix possible. C'est pour ça que je veux absolument aller, aller chercher... cette capitale là, donc là ça c'est fait, c'est bien. Finalement j'ai pas détruit son armée encore, on va réessayer là. Ok. Donc ça c'est bien, on peut avancer. Donc là j'avoue que j'ai pas trop regardé, mais je pense que ça tourne. Là on peut aller là. Est-ce qu'on va demander ces territoires? Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Ça dépendra les points qu'on peut accumuler. Ok. Ça, on s'en fiche. Okay. Donc là, il n'y en a que 37 000. On va attendre d'être un peu plus remonté, là. Parce que le voyage va être relativement long, quand même. Est-ce que j'aurais pas intérêt, peut-être... On va fusionner les flottes. On va tous partir en même temps pour pouvoir tous arriver en même temps. Ok, donc ça c'est fait. Ah, j'ai coulé... je l'ai coulé ou je l'ai capturé? Non, je pense que je l'ai coulé pour de bon, là. Ok, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Je cherche, mais si on s'installait là? Ça, c'est directement à l'Espagne. On pourrait, ouais, on va s'installer quelque part en Australie. On va s'installer directement en Australie plutôt que en Nouvelle-Zélande. Donc là, il y a une colonie. Là, il y a une colonie. Ok, je suis bien placé. Ouais, là, évidemment, j'ai souffert. Ma pauvre colonie, là, peut pas survivre tout seul à cette guerre. Ça m'étonne pas. Ça, on s'en fiche. 93 000, ça me paraît bien. On va fusionner. Donc là, c'est là qu'il nous faudrait des marines, évidemment. Mais j'en ai pas. Ok. Je pense qu'on va souffrir. Hein. C'est très loin. Mais... Oh putain, c'est vraiment la seule solution, là. Est-ce que... D'accord. Bon, on va dire qu'on n'est pas si loin que ça. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis pas à 100% quand même. On va s'arrêter le temps de se mettre à 100%.
Voilà, je pense que là, ça suffit. Pour mes navires. Hein. Mes troupes sont pas à 100%, mais c'est pas grave. Ok, let's go. Donc c'est pareil, lui, il avance, c'est cool. Là, ça suit son cours. Donc j'ai rien à faire ici. On pourrait, je suis sûr, trouver quelque chose. Il y a quelques territoires du Portugal, peut-être. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le seul navire que j'ai est occupé, évidemment. Le seul navire que j'ai dans la région, en tout cas. Ok, donc là... Ça, on va le laisser. On pourrait prendre Santa Elena, peut-être. Sur le chemin. Oh, sérieux. Je m'en fiche de ces révoltes. Ok, ça, on va prendre ça. On a énormément de conversions à faire. Évidemment, on a accéléré notre rythme de conquête. C'est beaucoup de petits territoires, ça part vite. Et la conséquence, c'est qu'on a un peu de mal à suivre sur les conversions. Ok, ça c'est parti. On pourrait prendre ce fort-là, on va venir les aider. Je surveille ma flotte, parce qu'il va pas falloir qu'elle reste trop longtemps au milieu de l'océan à rien faire, j'avoue. On est sur du 0 là, bizarrement. Peut-être que ce territoire-là compte. Ouais, on est sur du 1, ça va. Alors là, ça va être sport. Hein. Mais bon. J'ai mis un leader pas trop mal. Oh, donc ça, c'est bien. C'était Kong. Ça veut dire qu'on va se retrouver... Qu'on sait qu'on a 6... Putain, on a vraiment plus beaucoup de troupes. Hein. Je crois qu'on n'arrivera jamais à prendre leur capitale à ce rythme-là. Si on gagne ça... Non, on a perdu. Bon. Je serais tenté de dire qu'il va nous falloir plus de troupes. On avait perdu 30 000 hommes avant d'arriver. Ou alors la solution, ce serait de partir de moins loin. C'est vrai que c'est un peu bête, là, la solution. Ce serait de partir de moins loin. On va essayer de reprendre nos territoires ici. Bon, pour l'instant, là, on va remonter. Ah, ça m'embête parce que sans avoir la capitale, une guerre devient... c'est plus compliqué sans score de guerre, pour monter le score de guerre. Ça m'arrange pas, cette affaire, j'avoue. Ça m'arrange pas. Donc là, on a bien avancé sur le Portugal. Rien de spécial. Comme d'habitude, il va falloir qu'on se reprenne nos provinces. Mais ça, c'est pas nouveau. Voilà. Je préfère pas lui faire confiance. On a vu que la dernière guerre, il y avait un territoire, on sait pas pourquoi, au milieu. C'est la Cascadie qui l'avait demandé. Donc non merci, c'est n'importe quoi. En haut, par contre, c'est sûr qu'il n'y a que des territoires de la Cascadie, c'est un peu différent. Enfin non, d'ailleurs, il pourrait se passer exactement la même chose, donc il faut quand même que je fasse gaffe. Mais là, ça a l'air d'être plutôt propre, on va dire. Ok, donc là, il faut que je surveille quand même. Je suis en train de débarquer à l'arrache, là. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça s'est bien passé. On va rentrer au port pour réparer. Ça m'étonne qu'ils aient que 8000 hommes, j'avoue. C'est quand même une colonie à... En termes de superficie, en tout cas, ils sont assez gros. Après, j'avoue que je sais pas en termes de puissance. Oh là là. Ça gère, là. Ouais. Mes armées, elles sont... Ah bah, du coup, c'est elles qui se battaient. Ok, ok. Ah, il y a 122 000 hommes, mine de rien. Ça, c'était quoi, ça? On a gagné, là? Je sais pas comment on a fait ça. Et on est nombreux quand même, c'est vrai, j'avoue. Ok, donc là-haut, on n'a plus que 25 000 hommes sur ce qu'on avait au début, c'est-à-dire 100 000. Il y en a les trois quarts de moins. Ouais, ça pique, hein. Ça pique réellement. Ok, c'est parti ici.
Ça, on s'en fiche. On va prendre les impôts et l'autonomie locale. Là, ils veulent vraiment nous attaquer? Ah non, ils étaient en train de fuir. Ils ont pas de chance. Je suis à peu près sûr qu'ils sont en train... C'est l'armée qui est en train de fuir qui va s'arrêter là. Ah, ils ont pas fait le bon choix, là, je serais tenté de dire. Ah, ils ont disparu. C'est ballot. Ah merde, c'est quoi ça? Ah, eux aussi ont disparu. Merde. Ah, ils avaient survécu à la première charge, entre guillemets. Clairement, ils n'ont pas survécu à la deuxième. J'ai peur qu'il arrive la même chose ici. Bon, là, c'est toujours des troupes en train de... qui étaient en déroute. Donc ça, c'est tout bénef. Ça fait un peu le ménage pour rien. Gratuitement. Ok, on va continuer, là. Donc là, il n'y a rien de spécial. Là, il y a quelques flottes, mais j'avoue qu'on peut pas... Alors, j'avais décidé de ramener des navires, mais ils doivent être dans un sale état. Donc, pour l'instant, ça va. Ceci dit, on peut les améliorer. C'est le moment ou jamais, pendant la guerre. Alors, quand j'ai coché les cases, évidemment, il y en a où j'ai pas coché les cases. Non, on n'a pas d'amélioration à faire, a priori. Ouais, ça, on va le prendre. Ok. Sur Congo, on aura peut-être une armée à faire. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça, ça avance. Oh merde, comment ils ont repris ça? Comment? Oh merde, ça par contre c'est pas bon. Est-ce qu'on est plus fort qu'eux? J'ai un 5-5-5 quand même, hein, mine de rien. Allez, on va tenter l'aventure. Au pire, on... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mer par mesure de sécurité. Et si on se fait battre, on monte dans le navire direct. Mais je pense qu'on est gagnant quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, good. Ce qu'on peut faire, c'est... On va en profiter qu'ils soient en déroute pour se séparer là. Et prendre quelques territoires. Parce qu'il va falloir qu'on s'en aille. Ou alors non, on laisse notre armée, mais on va utiliser notre flotte pour aller chercher... cette armée là, ouais, donc on va rester là. Donc plutôt que de se séparer, si on reste là sans navire, on va rester groupir. Je pense que c'est préférable. S'il y avait le navire derrière pour nous, pour protéger notre, une fuite potentielle, j'aurais rien dit, mais là je suis pas trop rassuré. Donc là on embarque et on va retenter notre chance. On va débarquer ici, on est beaucoup moins loin. Ouais, on est un peu moins loin, on va dire. Ouais, 3 en siège, ça fera l'affaire. On va essayer de faire d'éviter les bêtises. Ne pas trop perdre de... Les 50 arrivent ici. Là, je pense qu'il faut que j'aille aider. Alors, le Portugal, ça roule. Ouais. Ah, c'est moins rapide que je ne pensais. L'Empire Plantagenet, je l'ai loupé, il est là. Donc là, on va prendre ses territoires le long de la frontière, comme d'habitude. J'aimerais bien avoir au moins un territoire... Ah, merde, j'ai tout enlevé ici. Je vais utiliser ma flotte, qui doit être je ne sais où. En route, ok. Ça c'est bon, on s'en fiche. Ça c'est bon. Là mes navires doivent être en route, j'imagine. On va attendre cette fois encore qu'ils aient refait le plein de troupes et on va se retenter l'aventure. Ok, donc eux ils arrivent. Donc on va pas pouvoir aller sur Utrecht de nouveau. Je suis un peu obligé de m'occuper de la révolte là. Sinon, il n'y a personne pour s'en occuper, hein, donc ça peut, ça va prendre de l'ampleur, c'est pas souhaitable. Ok, donc là, on va éviter de les superposer comme ça. On va attendre que tout le monde soit remonté bien à 50 000 cette fois. J'espère qu'ils vont pas nous obliger à nous battre, là, s'ils s'approchent trop près.
Ok, donc là, on a... ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec eux. Alors là, on est à 50 000 et 34 000, donc c'est pas mal. J'ai un très bon général, j'avoue. Ok, c'est parti. Avec celui-là, qui a l'air un peu moyen, mais on n'a pas besoin d'une flèche pour cette bataille. Splendide. Moins un d'agitation. Ah, ça, j'avoue que c'est pas mal, en fait, parce qu'on n'est pas... on n'est pas au top, là, on va dire. Ok, donc c'est parti. Oh. On retourne... je sais pas d'où venait leur armée. Ils m'ont surpris, là, j'avoue. Mais on va leur faire leur affaire, cette fois encore. Ok, donc là, je suis pas tout à fait rassuré. Ah, bordel, non, je suis pas du tout rassuré, même. Ok. En plus, c'est très très long, quoi. Le 24 juillet, je suis même pas sûr de survivre. Si, si, si. Ok. Bon, mais là, on est obligé d'y aller, c'est ça qui m'embête. Je peux pas rester là, moi. Là, on va se battre. C'est plus important là, il faut que j'ai la capitale, sinon cette guerre va nulle part. Espérons que cette fois on va pas se louper. Cusco! Ça, c'est bien. Franchement, je suis. Je sais pas ce que je vais demander dans cette paix. J'ai plusieurs choses à demander. Ah, j'ai perdu un général. Ah, il n'y a plus personne a priori. Ou alors c'est qu'on ne le voit pas encore. Si, si, il y a encore du monde. Par contre, je trouve qu'ils ont beaucoup d'artillerie par rapport à... Ah putain, il y a déjà plus que 36 000 hommes par armée, quoi. C'est affreux. J'arrive pas à voir si tout le monde y va, là. C'est super pénible. Eux, ils ont l'air d'y aller. Mais là, c'est toujours la même armée que je sélectionne, c'est ça qui m'embête. Ouais, eux, ils y vont pas. Ok, c'est parti. Ah, il y en a un petit peu plus sur cette armée. Je sais pas pourquoi, il y en a une avec 48 et l'autre avec 36. Il doit y avoir une raison. Mais j'avoue que là, ça m'échappe. Allez, c'est parti. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ah, c'est bon cette fois. J'ai l'impression que ça va passer. Yes. Ah, 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 78, c'est bien. Parfait. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés? Non, ils sont pas arrivés. Là, qu'est-ce qu'on fait? 27 000. 27 000, c'est dans mes cordes. Bien, j'espère que je suis pas parti trop tard. Ok, donc ça c'était la capitale, donc on va... Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'était une armée en cours de formation, je crois. Ça, c'est les champions du monde pour faire ça. Les salauds. Ok, donc là on va repartir. Il y en a une qui va aller directement ici. Et l'autre, j'ai besoin qu'elle aille ici. Et ce sera la dernière province qu'on prendra à Utrecht. Ok, donc là, on va se regrouper. On va pas se laisser faire. Ok, ça, c'est cool. On peut, là, je pense qu'on peut se diviser. On les a bien tapés quand même. M'étonnerait qu'on entende parler d'eux pendant quelques temps, là. On se fait attaquer, mais ça devrait gérer. Parfait. La vidéo fait 29 minutes. Hein. Okay. Il a remis 18 000 hommes, ce qui n'est pas forcément énorme. Moins qu'avant, je crois. Ah, il y a des retardataires, là. Est-ce
qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer cela. Pourquoi j'ai 1000 tout seul là? Ça vient d'où ça? On va embarquer cela et on va les transporter directement là. Je sais pas d'où ça vient ça. Bizarre. Sans doute des Kong. Allez, come on. C'est bon, ils sont arrivés à temps. Donc je pense qu'avec tous les renforts qui arrivent, cette bataille est dans la poche. C'est juste qu'arriver comme ça au fur et à mesure, évidemment, c'est jamais bien conseillé. C'est pour ça qu'il y a plus de 8000 hommes sur cette armée. Ils ont bien souffert. Ok. Donc là, ils ont repris cette province, malheureusement. Je vais pouvoir leur reprendre. Finalement, peut-être que cette fois, on va rester directement sur leur capitale. Ça m'embête de partir sur mon navire, parce qu'il faut que je revienne après. Ouais, ça m'embête un peu. Ok, allons-y, on va aller par là. Lui peut aller juste là. C'est plus court. Bon, j'attends... voilà, ils sont là. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas pris mes troupes. Putain, elles sont restées sur place. Combien de fois ça m'est arrivé, ça? Je comprends pas. Restons zen. Ok, ça c'est cool. Bon, je crois que je vais d'abord me chercher à... Je vais d'abord chercher à me débarrasser du Portugal. On va prendre ça pour nous, prendre ça aussi. J'ai pas pris la Corse, c'était le but à l'origine aussi. On va y aller. Pourquoi il me manque 1000 hommes sur cette armée? Qui c'est qui a tué cette armée, ces 1000 hommes-là? Il y a quelqu'un à un moment dans une guerre qui a tué mes 1000 hommes-là. Est-ce qu'on est en guerre contre la Sardaigne? Non, on n'est pas en guerre contre la Sardaigne, en l'occurrence. Ok, donc on peut y aller, là. Faut que je méfie, parce que les armées ont un peu disparu. Elles sont là, peut-être. Mais du coup, ceux-là pourraient se faire attaquer. Pour l'instant, non. Allez, come on, descend, descend, descend. J'ai pas que ça à faire. Ok, ça c'est cool. Oh, par contre, là, on est un peu au-dessus de ce que je peux faire. Allez, on va retenter notre chance. Nos navires sont pas abîmés, pas vraiment. Donc c'est parti. Il n'y a personne pour occuper la capitale portugaise. Ils ont mis leur capitale là. Non, pas là. Je sais pas où elle est, leur capitale. On a dû déjà regarder, mais j'ai oublié. Ah non, c'est les Caraïbes. Pardon, pardon. Ah, ils l'ont mis aux Bermudes. Ouais. Eh bah, du coup, pour l'instant, on pourrait aller sur les Bermudes. Ok, ça on va dire oui, ça c'est déjà repris, c'est cool. Ok, là on est en route, cette fois on s'est pas loupé, on a bien pris nos troupes. Ici, on va remonter. Là on va suivre, faut pas que j'oublie ceux-là, ils sont déjà là, c'est cool. On va devoir aller jusque là. On va prendre un leader pour une fois. On ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer en route. C'est pas des grosses flottes que j'ai. Elles sont raisonnables, on va dire. Mais si on tombe sur le plus gros des flottes... Oh, putain, ils n'arrêtent pas de le reprendre. C'est pas très grave. Je vise pas forcément cette fois ces provinces-là. J'avoue.
ça, ça va gérer. Ah, il faut absolument que j'ai le colon là parce qu'il nous reste énormément de colonies à faire. Il va pas y être, pareil. Putain. Non, il y est pas. Alors, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Je vais perdre ce malus-là. Il faut que je perde ce malus-là, là, quand même. Parce que quand on va vouloir créer l'Empire, j'aimerais pas avoir une mauvaise surprise, j'avoue. Peut-être, je vais faire ça au prochain épisode, parce que je veux le faire avant la fin. Ça, oh, j'ai pas regardé. C'était la légitimité, je crois. Ça, c'est bon. Ça, je peux le faire parce que les points, on va les refaire. Je sais pas. Non, pas ça. Ça, pourquoi pas. Je sais pas combien on fait de points maintenant par... Je vais regarder. On fait un, quasiment un par an. Donc, en effet, on va prendre la réputation diplomatique. Bon. Allez, j'en ai marre, là. J'espère que... pouvoir arrêter la vidéo bientôt. Je vais l'arrêter avec la deux paix. Ce serait bien. 66 000 hommes. Oh, merde. Ils ont refait la même chose que les Espagnols. Fuck. Je vous dis pas, ils doivent être serrés sur cette île-là. C'est quand même du petit. Bon, c'est mort, alors on va signer comme ça, tant pis. J'ai la Corse, c'était l'essentiel. Voilà, qu'on les voit plus. On va quand même pouvoir prendre pas mal, hein, c'est pas le problème, honnêtement. Ok, on va prendre ça. Ah, c'est tout. Ouais, j'aurais aimé prendre un peu plus quand même. Ça, j'essaye de finir les régions. Là, on finit celle-là, on finit celle-là. Je crois qu'on n'a pas besoin de celle-là. Moins 6, ah, c'est dommage. Ouais, c'est pour ça que personne n'y a été en fait. C'est parce qu'avec 66 000 hommes, ils sont un peu trop costauds. Franchement, ça me tente d'essayer quand même. Je crois que 66, c'est quasiment le double de ce qu'avaient les autres. Ouais, mais si j'y arrive avant la fin de l'épisode, mais je crois pas. Ça va me prendre trop de temps. Eux, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Ceci dit, on n'est plus très nombreux non plus. Hein. Sur une 50 000 hommes, il nous en reste 13 000. C'est un peu flippant. Là, il va me falloir la dose. Hein. Il me faut les 100 000. Hein. Donc, c'est pas garanti que j'y arrive. Bon. Utrecht, allez. On va faire Utrecht. Ça va pas poser de problème. On a deux provinces à leur prendre pour les chasser de l'Afrique. Franchement, je me vois pas prendre autre chose. Allez, si, on va prendre celle... Bon... Allez, soyons méchants jusqu'au bout. Ah non, je peux pas prendre celle-là. Donc on va s'arrêter là. Voilà, ça. Ça, c'est fait. Ensuite. Je trouve qu'on est trop loin, là. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas trop envie d'attendre. C'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de prendre la Corse. Donc, on va s'arrêter là-dessus. On va leur prendre deux... Même ça, ça veut pas. Ah ouais. Ah, peut-être parce qu'on leur prend leur capitale. Ça coûte cher. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Donc, l'essentiel, c'était de prendre la Corse. Ils disparaissent de l'Europe. Il n'y a plus que les hospitaliers à Malte. Et c'est tout. Alors, ce qui va m'intéresser, évidemment, maintenant, c'est l'Espagne. Ça va être autre chose. Ici, est-ce que j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
un marchand en plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un marchand en plus. Ici. Alors ici c'est un peu différent. Attention, je suis pas tout à fait au bout encore, je crois. Qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà fait le Pérou, je vous avouerai que... Ah, j'ai déjà fait le Pérou. J'avais complètement oublié. D'accord, donc des conneries, voilà ce que je raconte. D'accord. Bon, bah on va prendre autre chose, il n'y a pas de souci. Non, mais j'avais complètement zappé. On va prendre ça, évidemment. Et puis après, on va... Du coup, là, on a pris le fort. On va lui prendre sa capitale, parce que j'en ai marre à chaque fois qu'on se batte pour ça. Là, on va prendre ça. Et puis, on va continuer à faire grossir un peu le Pérou. Un peu beaucoup. Yes, un peu beaucoup. Et ah non, j'avais tout ça à prendre. Ouais, ça, c'est important. Qu'on en finisse avec ces provinces à l'intérieur, là. Alors, j'espère que c'est les bons qui les ont pris. Je vais quand même vérifier, parce que ça, ça pue. A priori, nouvelle grenade. Ah oui, mais l'occupant. Colombie. Ouais. Je les laisse faire. Hein. Colombie. Et après, on va leur donner ça aussi, peut-être. On va aller chercher ça. La Colombie aura quasiment disparu. La Colombie espagnole. J'espère que j'ai pas fait de bêtises dans la répartition. J'ai pas tout vérifié, mais... Ça, c'est pris pour moi. Ça, c'est pris pour moi. Celui-là aussi. Ça, c'est Colombie. Je pense que c'est bon à l'origine. Alors, on va jouer la sécurité, mais je crois pas qu'il y a de problème. Je sais, c'est chiant. Je suis chiant, mais c'est comme ça. Combien de points encore? 43, c'est énorme. On va prendre ça. Bon, bah là, on va continuer. En bas, c'est quoi, ça? C'est la Plata, ok. Donc ça, c'est bon. Encore, 31. Alors, je pourrais peut-être lui prendre des vrais territoires, entre guillemets, des territoires vraiment espagnols. 23, c'est déjà mieux. Ici, ça, on va garder. Enfin, on l'a déjà pris. On peut prendre ça. Là, on peut prendre tout ce qui est ici. Ah, on pourra pas prendre ça, très clairement. On est à 12. 9. 6. 3, ça me va. C'est assez énorme. Merci la surexpansion, je pense. Ici, on va en légitimer 6. Pour une fois, on va faire ça. On va faire attention. 1. 2, 3, 4, 5 et 6. On va en faire un autre pour la sécurité au cas j'aurais mal compté. On ne sait jamais. Ça, je vais le légitimer, évidemment. Ça, ici, sur la Corse, je vais le légitimer aussi. C'est fait, j'ai lancé. On a des territoires là. J'ai lancé, c'est bon. Ça, j'ai pas dû le lancer. On va prendre le contrôle de toute la zone, tout le commerce africain. Là, c'est clair. Là aussi, on va prendre le contrôle du commerce. Ça va être assez radical. Ça, c'est lancé. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous donne évidemment rendez-vous au prochain épisode où on créera l'Empire, donc ça va nous prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire une fois qu'on a créé l'Empire. On va récupérer toutes leurs unités et tout ça. Donc ce qui serait bien, c'est d'attendre qu'ils soient un peu regroupés pour pas qu'on ait des unités partout éparpillées dans tous les sens. Donc ça va nous demander peut-être quelques mois. On verra ça. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.